J'ai lancé l'éditeur, vous devrez faire créer un affrontement, une course. Moi je vais créer un affrontement. Donc là je crée mon affrontement, voilà, directement. Ensuite vous mettez où vous voulez, donc moi je vais mettre, je sais pas, là ici par exemple. C'est super facile franchement. Alors, déjà, je vais vous montrer comment placer la zone d'activation en hauteur. Voilà, donc là, je pose ma zone d'activation ici, par exemple. Ensuite, je fais élément de décor. Là, vous prenez le plus gros, donc là, je vais prendre la plateforme flottante. Là, c'est plus gros. Je vais la retourner pour que ce soit plus facile. Ensuite je vais monter en hauteur, donc pas trop haut parce que sinon on pourra pas passer, voilà, ici par exemple. Ensuite je fais placer zone d'activation. En fait vous devrez faire comme vous devrez faire, vous devrez, voilà, par exemple vous êtes là, je suis là, et en fait vous devrez faire comme ça. Vous avez, je sais pas si vous avez vu, en fait j'ai reculé un petit peu pour que ma zone d'activation soit sur la plaque, et j'ai super vite appuyé, j'ai simultanément appuyé sur les deux comme ça. Ça marche pas à tous les coups. Là, je vous montre bien que ça marche pas à tous les coups. Voilà, donc là, elle est passée. Vous voyez, elle est pas par terre. Elle est sur. Mon élément. Donc là, je vais juste faire élément de décor. Je vais reprendre la plateforme photo. Et là, en fait, je vais supprimer celui-là. Comme ça, en fait, j'aurai ma zone d'activation en hauteur. Donc les joueurs vont tomber en fait quand ils vont apparaître. Et donc là du coup je peux faire des trucs en hauteur. Donc voilà, donc là par exemple je vais retourner cette plateforme. Et je sais pas ce que je vais faire. Je sais même pas ce que je vais faire, donc je vais faire ça comme ça, voilà. Par exemple, puis là vous voyez, je peux pas les placer sur les plateformes. En fait, faut que vous les placiez, que vous les reprenez et qu'en fait vous les remettez sur la plateforme. Et là, vous pourrez. Donc, là, je vais faire ça avec tous les points. Donc voilà, là, je place ma caméra de salon. Voilà, je m'en fous un peu de comment je vais la placer. Ensuite, je vais vous montrer comment placer des armes en hauteur. Donc mais je vais pas faire ça là. Ici. Donc en fait c'est simple, donc vous prenez placer élément de décor. Donc un élément de décor. Voilà, donc comme si c'était votre élément de décor. Là c'est l'élément où vous voulez placer vos armes. Donc, il est bien en hauteur. Bien en hauteur. Voilà, donc là il est bien en hauteur. C'est simple. Vous devrez juste le poser, puis en poser un juste au-dessus. Ensuite, vous devrez faire arme. Donc là, je vais prendre, je peux avoir un pistolet, prendre un fusil à pompe. Voilà, ça marche avec toutes les armes. En fait, ça sert juste à faire très vite, hein, carré et croix. Donc là, vous voyez qu'il est placé, voilà, mon fusil à pompe est dans les airs. Si je vous enlève la plateforme, il sera quand même dans les airs. Vous voyez bien que là, il est en l'air, donc il vole. Ensuite, je vais vous montrer comment faire avec des véhicules. Par exemple, si vous créez un Garry's Mod,
faites élément de décor, vous faites la même chose, sauf que là vous prenez un véhicule. Et voilà les gars, c'était tout pour moi, donc, pour cette vidéo, tout ça. Donc moi je vous laisse sur ce jeu, je vous dis bon game et ciao tout le monde. Word to my old girl, and word to me too. I only say it in the mic because I need to. Feeling like I'm see-through and life is a window. I've been running opposite the way that the wind blow. You pick up the pieces of the things that you didn't know. So when you hit the top, you better scream that